Good morning, Alaïdan, et ce sera aujourd'hui le Nishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Bat Reina et Marie Myriam Bat Julie, le Bet Loda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions Masech Nedarim Perek Tet, Mishnah Vav, Potrin Beyamim Tovim ou Beshabbatot, Barishona Ayomrim, Otan Ayamim Mutarin, Ushar Kol Ayamim Asurin, Ad Sheba Rabbi Akiva, Velimed, Shaneder Shimutar Mixato, Utar Kolo. On continue à parler dans notre Mishnah des conditions, des paramètres à considérer pour permettre un neder. Je rappelle, c'est quoi permettre un neder? Faire la tarat nedarim. C'est pas qu'on annule un neder en disant ça y est, depuis là, le mari peut annuler sa femme sans exiger un regret. Mais moi, si je prononce un neder et je veux l'annuler en allant voir un chacham, il faut forcément que le neder me trouve un pétach au neder, une circonstance acceptable. Que si j'avais pris conscience de cet élément au moment où j'avais prononcé le néder, jamais je n'aurais prononcé. Donc je regrette le néder parce que j'étais pas entier finalement au moment où je le prononçais. Et le néder, et le chacham, il a la force de permettre le néder, c'est la parchat matot, en fait, la parchat à chavoua en plus. Parchat matot, la tarat nedarim. Et d'accord, ça c'est le principe. Maintenant, ça intéresse à savoir avec quoi on peut ouvrir le néder, avec la grande règle qu'on avait vue que l'opotrim benolad. On n'ouvre pas un éder en considérant quelque chose qui s'est créé, qui s'est passé ensuite. Ça, c'était la Mishnah Dalet, on avait parlé de ça, je crois, si je m'en vais, ou la Mishnah Gimel. Qu'est-ce qu'on considère exactement? D'accord? Il faut nécessairement qu'en fait, on réalise au moment où je prononce un éder, il me manque un élément à considérer. Mais pas quelque chose qui s'est produit ensuite. Parce que je ne suis pas devin pour savoir. Si j'ai interdit de profiter de mon ami, et que demain, mon ami, ça devient le président de la République et que j'ai besoin de lui, parce que maintenant c'est un bon ami à voir, et bien dans ce cas-là, ça s'appelle quelque chose qui est nolad, qui est arrivé ensuite. Ça, c'était la Mishnah précédente. Concrètement, dans la Mishnah, on va dire maintenant, qu'est-ce qu'on considère encore d'autre? On avait appris qu'on ne considère pas le Kvodamakom, le fait de dire de, tu transgresses une Avera, ça fait de la peine à Hachem, à la Shrina, ce que tu veux, c'est pas des bonnes raisons, parce que il va peut-être mentir, il ne va pas réellement permettre le Neder. Il ne va pas vraiment regretter le Neder. Et la Mishnah, par contre, elle me dit que Potrin Beyamim Tovim au Beshabbatot, on peut ouvrir un neder en considérant les jours de Yom Tov et les jours de Shabbatot. Soit, j'ai pris l'exemple que moi chez nous on mange de la viande, on mange de la viande tous les Shabbats, on mange un repas de viande. Et c'est comme ça qu'on marque le kavod du Shabbat. Ce qui se passe, c'est qu'après, c'est en plein milieu de la semaine, je me suis dit, j'ai fait un neder que je ne veux plus manger de la viande pendant 5 jours. Et après, je commence à réaliser, je me dis, attends, 5 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc forcément il va y avoir Shabbat en plein milieu. Shabbat, comment je vais faire sans manger de la viande? C'est dommage. C'est une belle mitzvah de donner du kavod à Shabbat. Alors la Mishnah va me dire comme ça. Potrin beyamim tovim ou beshabbatot. On va ouvrir le neder en considérant les jours de Yom Tov, les jours de fête, et même les jours de Shabbat aussi, parce que c'est une mitzvah de manger. De manger des bons repas de viande et des repas riches. Et d'ailleurs, la Mishnah continue en me racontant. Et maintenant, la Mishnah me raconte comme ça. Dans un premier temps, les gens disaient que, même les chachamim, ils enseignaient comme ça, que otanayamim motarin, les fameux jours évoqués, les jours de mitzvah, alors tu auras le droit de manger, mais le lendemain ça redevient, ça interdit. Soit, par exemple, je me suis interdit 5 jours de viande, après je réalisais, mais dans 3 jours c'est Shabbat, comment je vais faire sans manger de viande? Donc là, j'ai trouvé une ouverture pour permettre le neder. On va permettre le neder. Mais qu'est-ce qu'on va permettre dans le neder? On va permettre juste le Shabbat ou tous les jours? Soit, est-ce que lorsque tu t'interdis 5 éléments que tu inclus dans un même langage, tu as dit 5 jours. Ouais. Est-ce que maintenant, quand il va y avoir une partie qui va s'annuler, ça va annuler le tout ou pas? C'est la discussion de la Mishnah. Otanayamim mutarin, les chachamim, ils ont dit comme ça. Barishona, dans un premier temps, dans des temps anciens, quoi. Ayu Omrim, ils avaient l'usage de dire Otanayamim Mutarin, Oshar Kolayamim Asurim. Les fameux jours que tu as évoqués, où tu as l'usage de manger de la viande, eh bien, eux, ils seront permis, parce que c'est sûr que tu as regretté. Tandis que, Oshar Kolayamim Asurim, tandis que les autres jours de la semaine, ils restent interdits. Tu t'es interdit 5 jours, ta présentation le 3e jour, c'est Shabbat, alors tu prendras 5 jours sans Shabbat. Tu commences jeudi, vendredi. Après, tu continues dimanche, lundi, vendredi, mardi, par exemple. Ad Sheba Rabbi Akiva Veima, jusqu'à que Rabbi Akiva est venu nous enseigner, c'est pas comme ça la halakha, mais qu'il n'y a que
que tout s'annule, comment? Un neder shutar miksato utar kolo, car un neder qui s'est annulé même partiellement, il s'annule entièrement. Le neder, c'est une seule entité. Tu t'es interdit la viande de 5 jours. Si jamais tu commences à briser un jour parce que tu as des considérations que tu regrettes, ben ça va forcément annuler tout le neder, parce que le neder, il s'annule. Neder chez batel miksato, batel kolo, un neder qui a été, qui a perdu un petit peu de son sérieux au moment où il a été prononcé, ben, c'est-à-dire que toutes les paroles ont été mal prononcées. Même si face à l'autre situation, tu aurais bien voulu t'interdire la viande encore. Malgré tout, ça reste tout le néder va s'annuler, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.